les anciens de notre grand parti. Vous savez tous que mon défunt père avait créé et aimé ses partis jusqu'à ce qu'il meure. Je crois que la seule manière pour que le parti témoigne de sa gratitude au regard de tout ce que mon frère a fait pour celui-ci, c'est en me soutenant son fils, en essayant de me remettre dans un poste comme étant les candidats potentiels pour tout le parti. Je crois que ce n'est pas demandé assez. Et très cher confrère, la position du parti par rapport à cette question est vraiment claire. Par ailleurs, il est aussi important de t'informer que le choix du candidat de notre parti passe au-dessus de tous nos sentiments y afférents. Et cela s'applique aussi à votre famille. Monsieur Damien, ton père est mort. Oui, il est mort, je sais. Mais s'il était en vie, il serait l'autorité morale de ses partis. Maintenant qu'il est mort, tout ce que je demande au parti, c'est de m'accorder le respect pour lui. C'est tout ce que je demande. Damien, ferme ta bouche et assis-toi. J'ai dit ferme ta bouche et assis-toi. Tu nous as assez insultés. Damien. Que j'insiste. Que le respect dû à mon père me soit accordé. C'est ce que tu appelles insulte. Damien? Justement, ton père est mort, nous le savons. Mais qui es-tu? Tu es tout simplement son fils. Qu'est-ce que tu sais de la politique, quoi? Demiam, la position du parti par rapport à cette question avait été prise sur base de certaines raisons. Et cette décision est maintenue. Elle est maintenue. Chief Phillips, comme des collaborateurs, vous avez tous trahi mon père et tout ce qu'il représentait dans ses partis. Mais laissez-moi tous vous rassurer que les gentilles griffes du tigre n'est pas un symbole de timidité. Et aussi longtemps que ma famille est concernée, ce parti cesse d'exister. Merci à vous tous et je vous souhaite tous une bonne chance. N'importe quoi. Si un aveugle n'est pas capable de voir le soleil, cela ne veut aucunement dire que le soleil ne se trouve pas dans le ciel. Au revoir, Demian. Sa place n'est pas ici. Chief Phillips, m'as-tu envoyé cette merde? T'envoyer une invitation? Je ne me rappelle pas t'avoir envoyé une telle invitation. Hein? J'ai dit, comment as-tu osé m'envoyer cette goutte de salive et comment as-tu pu les faire? Williams, je ne tolère jamais l'insubordination. Beaucoup plus précisément pour des hommes de basse classe comme toi. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Je me suis battu pour faire de toi un cadre dans ce parti. Alors que tu n'étais rien en pourrissant tout en étant un simple combattant. Et si tu t'érige un obstacle, je te ferai comprendre qui est-ce que je suis dans ce parti et tu comprendras ta position réelle, Williams. Phillips, suis-moi attentivement. J'essaierai les potentiels candidats de ces partis avec ou sans ta recommandation. William, as-tu perdu la tête? Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Qui es-tu? J'ai dit qui es-tu? William! Ce n'est ni toi. Voilà ce que je disais. Ni quelqu'un d'autre parmi tous ces gens ne peut m'arrêter. J'ai dû répondre favorablement à ton souhait d'entériner la candidature de Williams à son poste. Mais j'ai comme l'impression que cela commence à me taper sur les nerfs. Je ne le ferai plus. Papa, s'il te plaît, tu ne veux pas que je sois heureuse? Papa, il est le seul que j'aime pour le moment. Je ne peux imaginer mon futur sans lui, papa. Je ne peux pas. Futur? William et moi avons choisi de jouer au jeu du lion. S'il y a un futur auquel on peut espérer, alors dis-moi. Papa.
Papa, Daniel est... Il est une très très bonne personne depuis un long moment. Tu n'as point d'idée à quel point je l'aime, papa. Je l'aime beaucoup. Permets-moi de l'épouser. Ce n'est pas facile à faire, Becky. Tu es ma fille et je ne veux que le meilleur pour toi. Nous avons fait un duel une fois avec le Williams. Et c'est mon frère Charles qui était choisi pour cette affaire. Et il était allé chez Williams pour récupérer le profit de cette affaire. Hein? Et il a été tué par le Williams. Depuis lors, je me suis décidé de mettre hors de mon chemin tout ce qui a à voir avec Williams. Pas seulement toi, mais en effet, il s'agit de tout le monde qui me fera revenir sur cette décision. Jamais. Papa, s'il te plaît, ça c'était dans le passé. Nous parlons du futur, papa. Je t'en supplie, moi, ta fille. S'il te plaît, papa, permets-moi de l'épouser, s'il te plaît. Papa. Bonjour, papa. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Becky? Becky? Oui? Est-ce que tu vas bien? Il ne me comprend pas. Papa ne me comprend pas, je t'ai dit. S'il te plaît, tu dois m'aider. Essaye de parler d'accord, lui. J'en ai marre. Essaye. Écoute, Becky, tu dois accorder un peu de temps. Hmm? Certainement, il faut du temps pour guérir. Et particulièrement par ces genres de choses infligées dans sa mémoire. Je ne comprends pas. Dites-moi réellement, qu'est-ce qui s'est passé entre mon papa et le papa de Daniel? Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends Becky, pas. Écoute-moi, écoute. Le jour le plus heureux de papa, c'est le jour où il donnera ta main en mariage. Mais faire pareil avec quelqu'un qui considère son ennemi est totalement hors de question. Écoute, Becky, peut-être que tu dois lui accorder du temps. Hmm? Il doit se reconsidérer. Ça prendra combien de temps, dis-moi, ça prendra combien de temps? Becky, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Daniel veut te voir. Cela n'est pas une bonne nouvelle. Comment je peux les voir alors que papa est encore là? Ne t'inquiète pas. J'irai avec toi. Je dirai à papa que tu m'accompagnes pour aller voir mon ami à l'hôpital. Hmm? Voyons, sors-moi un sourire comme ça. Souris. Alors va lui dire ça. Vas-y. C'est bon, c'est bon. Il a passé sa vie toute entière à construire ses parties. Et il sera là aujourd'hui, en train de regarder ses amis, en train de détruire tout ce pourquoi il s'est battu. Et finalement, ils veulent renier le fruit de son travail. Les parties est comme un puits profond. Nous tous, tels que nous sommes, nous allons passer et nous irons mais vite. Puise l'eau. Ils doivent réaliser qu'un osondo avait bâti ses parties. Et Ken Osondo va détruire ses parties. Il n'y aura aucun parti sans un Osondo. Jamais. Papa, puisse ton âme continuer à reposer en paix. Thank you.
Salut Becky. Oh, vraiment. Je suis ravi de te voir. Oh, comment ça va? Dan. Mon pote. Comment ça va, mon pote? Prends place. Vraiment. Merci énormément. Je te remercie beaucoup. Je te remercie parce que tu as trouvé le temps de l'amener ici. Tu sais, je suis totalement incomplet, aussi incapable. Tous les jours qui passent, je suis content de l'avoir. Je souhaiterais que mes parents comprennent cela. Bien, pour moi, je ne vois aucune raison pour que deux personnes qui sont amoureuses et qui souhaitent se marier ne fassent pas une chose pareille. Et tout ça à cause de querelles de longue durée entre deux vieux hommes. Pour moi, je ne sais pas comment convaincre papa. Je ne sais pas si je vais les convaincre. Becky, s'il te plaît, calme-toi. Laisse-moi tout. Tu sais, je ferai ce que vos rêves se réalisent. Mon pote, oui. Merci beaucoup, mon pote. C'est bon, tu es mon cher ami, rappelle-toi. Merci beaucoup. Alors, vous savez quoi? Je veux vous laisser vous deux maintenant. Et je vous reviens dans très peu de temps. Mais il y a à boire ici. Non, c'est bon, mon cher. Pas de problème. Bébé, je l'accompagne jusqu'à la voiture. Ah, merci beaucoup, Becky, grand frère. Bonne année. Ne t'inquiète pas, je reviens très bientôt. Ne traîne pas, chérie. Mon pote, vraiment, merci. Merci, mon pote. Oui. D'accord, à tout à l'heure. Bye. Prends soin de toi. Oui. Hé, hey, toi! C'est qui, toi? Chris? Chris, qui a fait ceci? Qui a fait ceci, mon Dieu? C'est qui? Qui a fait ceci? Chris, réveille-toi! Réveille-toi, s'il te plaît! Il y a quelqu'un qui l'a tiré! Chris! Non! Chris, réveille-toi! Non! Réveille-toi, Chris! Non, Chris! Non! Appelle l'ambulance! Appelle à ce numéro! Je vais venir m'aider! Chris, non! Non, Chris, ne peux pas mourir! Allô? Venez, s'il vous plaît. Il y a urgence ici. Venez, s'il vous plaît. Nous vous attendons. Oh. Non, comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Ce n'est non, pas vrai, mon Chris, Dieu. Ne me fais oh, pas qui t'a attiré? Ça. Non, réveille-toi. Comment est-ce non, mon cher. Chris, qui t'a fait ceci? Non, ne me fais pas non, qu'est-ce qu'il a fait? Je n'accepte mon pas. Dieu. Qui t'a fait ceci? Ah, mon Dieu. Non, réveille-toi. Je suis fini. Qui t'a tué? Je suis vexé. Les choses arrivent chaque jour. Les gens naissent un jour et ils meurent un jour. Accepte mes condoléances. Chef Félix, s'il vous plaît, soyez fort. Tout ce qui s'est fait, c'est dans le plan merveilleux des dieux. Hein? Soyez fort, ok? Chef Félix, accepte les condoléances venant de tout mon cœur. Bonjour, Chief. S'il te plaît, pour le compte de toute ma famille, s'il te plaît, essaye d'accepter nos condoléances. Chief Williams ne pouvait pas permettre que ses ambitions politiques aveuglaient sa raison, même s'il voulait te détruire. Mais apaise-toi, hein. Apaise-toi. Ah. Acceptez mes condoléances, chef. Mes condoléances, messieurs. Je suis vraiment compatissant à cette situation désolante Apaise-toi. Qui vous est arrivée. La mort de ce garçon laisse la volonté de Dieu s'accomplir. Sois forte. Ok. Merci. Chief, désolé pour ce qui s'est passé. Accepte mes condoléances. Ne prenant pas en compte ce qui est arrivé, veuillez accepter mes condoléances, Chief.
Je suis de cœur avec vous. Daniel, tu as dit que tu ne peux pas reconnaître le visage du meurtrier ou la plaque de sa moto. Non, il n'y avait pas de plaque et ils sont partis aussi si vite. Est-ce que Christopher t'avait dit s'il attendait quelqu'un ou s'il avait des problèmes avec quelqu'un? Non, en réalité, il n'avait pas de rendez-vous là-bas. Il était venu accompagner sa sœur, ma fiancée, dans son retour. Oh, je vois. Qu'en est-il de sa sœur? T'a-t-elle mis au parfum de quelque chose comme peut-être son frère avait de problèmes? Non, non, non. Écoutez les officiers. Christophe n'avait pas problème avec quelqu'un. Il était vraiment aimable, il aimait beaucoup sa famille, aussi sa sœur. Et c'est ce qui a fait ce qu'il mère dans vos propres mains, c'est ça? Daniel, nous allons encore t'inviter dans notre bureau pour essayer de parler encore à ce sujet. Pas de problème, monsieur. Alors, Chief, bonne journée. J'ai besoin de te parler, papa. Qu'est-ce que je t'avais dit? Combien de fois t'ai-je averti de rester très loin de cette famille? Maintenant, regarde dans quel problème tu as fourré ta famille. C'était une coïncidence, papa. Je ne peux pas rester loin de la famille de Becky. Maman a une relation avec sa mère et toi avec son père. Daniel, ce n'est pas de la guerre froide. Philippe croit que j'ai eu une main mise dans la mort de son frère. Et depuis là, nous ne faisons plus chemin ensemble. C'est comme un mensonge qui ne mérite jamais d'être cru. J'ai t'averti, reste très loin de sa fille. Je l'aime, papa. J'aime Becky. Et je t'assure qu'elle sera ma femme, avec ou sans ta bénédiction. Avez-vous pu discuter avec quelqu'un qui pourrait d'une façon ou d'une autre connaître les tueurs? Non, monsieur, rien du tout. J'ai essayé de parler avec toute la famille, personne ne connaît quelque chose. Alors ça commence déjà à empester. Il y a une très forte guerre qui va s'enclencher. Je les sens venir. Il n'y a jamais eu de paix entre la famille de Chief Phillips et Chief Williams. Pouvons-nous élaborer un plan d'infiltration dans les deux familles? Je sais, mais ça sera difficile. Toutes ces deux familles sont très protégées. On a besoin de quelqu'un d'autre.
J'ai besoin d'une attention particulière à cette mission. Est-ce clair? Ok, monsieur. Papa, je dois aller. Je dois aller au village compatir avec cette famille. Parce que cela s'était passé à ma présence. Tu ne feras pas une chose pareille, fils. Et tu ne feras que réveiller le langue qui disent déjà que tu as fait tuer Christopher à cause de différends qui existent entre les deux familles depuis bien d'années. C'est pour cette raison que je dois aller, papa. D'aller prouver mon innocence. Pour prouver que je n'ai pas la main mise dans sa mort. Ce n'est pas à ta compétence de faire une chose pareille, Daniel. Tu ne dois à personne aucune excuse ou une quelconque explication. Tu vas te mettre ici, Daniel, dans cette maison. Il y a d'ailleurs ta mère qui arrive. Papa. Pourquoi vous criez? Mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Maman, je dois aller visiter la famille d'Estani. Tu ne feras pas une chose pareille. Mais Daniel, pourquoi? C'est pas les bons moments pour te rendre là-bas. Maman, j'étais avec lui les jours qu'il a été assassiné. Et on m'accuse que j'ai une main mise à sa mort. Ah, d'ailleurs, je ne demande pas, je m'en vais. À moins que je ne sois mort. Maintenant, écoute-moi, fils. Pourquoi tu ne me comprends pas, papa? Tu as commencé à contrôler ma vie depuis très longtemps. Maintenant, c'est le temps de prendre ma vie en main. Daniel! Daniel! C'est assez! Daniel, si seulement tu oses me désobéir, tu vas vivre pour les regretter. Il est temps de prendre ma décision, papa. Celle-ci, c'est ma vie. Daniel, Daniel, reviens! Laisse-les partir. Laisse-les partir. Laisse-les partir. Papa, tu ne peux pas continuer à être ainsi. Jusqu'à quand tu vas cesser de l'être? Soyez juste fort, papa. C'est la volonté de Dieu. Et si cela est une ambition de la famille de Williams, me mettre à terre, sur cette terre, alors ils ont réussi. Parce qu'ils ont emporté la fierté de cette famille. Mais je te dis honnêtement, Becky, je pense que tu en es le responsable. Papa, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ils n'ont pas un problème. Ils sont innocents. Ils sont innocents. Mais tu sais que nous avons vraiment besoin que tu le prouves. Prouve-le, ma chère. Arrête-toi là. Je suis désolé, je vais voir Chief Félix. Désolé, Chief n'est pas à la maison. Mais le portier m'a dit qu'il venait d'arriver. Chief n'est pas d'humeur de voir quelqu'un maintenant. Oui. Gentlemen, c'est important, permettez-moi non, de non, voir Non, tu ne peux pas Chief. Le voir. Il faut que tu partes maintenant. Laissez-moi, je vais voir non, non, Chief Félix. Non, tu ne le verras pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne le verras pas, tu ne le verras pas. Non, je dois voir Chief. Ferme ta bouche. Tu dois partir, Chief. Sors d'ici d'ailleurs. Est-ce que tu ne le verras pas? Tu ne le verras pas. Laissez-moi, je dois voir le Chief. Laissez-moi, pourquoi besoin de voir quelqu'un? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit qu'il veut voir Chief. Je suis désolé, messieurs. Je t'ai venu voir Chief Félix. S'il vous plaît. Veux-tu voir Chief? Oui, messieurs. Viens avec moi. Et vous restez là dehors. Ok.
Jeune homme, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu compatir avec vous. S'il vous plaît, acceptez mes sincères condoléances. Je suis innocent, messieurs. Votre fils Christian était mon meilleur ami. Voilà pourquoi je suis venu implorer votre miséricorde. J'ai ouvert mon cœur pour vous. Je ne pourrais pas avoir une main mise dans sa mort, parce que je l'ai considéré tant que mon beau-frère. Je suis innocent, monsieur. Lève-toi. Tu viens demander la main de ma fille pendant que j'observe le deuil de mon fils? Oui, monsieur. J'admire ton courage. J'admire vraiment ton courage. Ce qui est vrai, c'est que... Je suis désolée. Es-tu sûr que... Non, c'est de ma faute. Je devais regarder devant, je suis désolée. Oui. Est-ce que ça va? Es-tu sûr que ça va? Ok, je vais bien. Oh, c'est bon alors. Je suis vraiment désolée. C'est bon. Tu travailles aux alentours d'ici? Oui, je suis à la recherche du boulot présentement. Un boulot? Oui. Bien, mon nom est Damien. Damien Osondo. Je suis Sandra. Oh, Sandra. Enchantée de te rencontrer. Merci. Qu'en es-tu du dîner? Oh non, je dois continuer ma route parce que j'ai beaucoup à faire. Oh non, voyons Sandra. C'est au moins pour te montrer comment je suis désolée. S'il te plaît, ne dis pas non. Ok. D'accord. Viens alors qu'on aille dans ma voiture. Salut, Sandra. Salut. Oh mon Dieu. Tu as l'air très merveilleuse. Mm-hmm. Je ne savais pas que tu étais aussi belle. Oh, s'il te plaît, merci. Viens, s'il te plaît, viens. Allons-y. Tu as une si belle maison. Oh, merci énormément. Oui, fais attention, vas-y doucement. Par ici, s'il te plaît. S'il te plaît, tu peux te mettre là. Ok. Waouh. Tu vis seul? Oh, oui, bien sûr. Je suis en effet divorcé. Et je suis erré pour ça. Ne dis pas ça. Alors, que veux-tu que je t'offre? Ou bien veux-tu que je t'emmène quelque part de nouveau où tu pourras certainement adorer? Non, pas vraiment. Il serait mieux que nous restions ici. Es-tu sûr? Oui. Dans ces cas, qu'est-ce que je peux t'offrir? J'ai du vin, du champagne, ou veux-tu encore quelque chose de plus fort que tout ça? Oh non, je pense que le vin serait bon. Le vin? Quel genre de vin? Du vin blanc ou du vin rouge?
je pense blanc. Je suis désolé, il y a quelqu'un à la porte, j'arrive. Sandra. Georges? Oh, Damien! Mais où étais-tu? Calme-toi d'abord, j'ai aujourd'hui de la visite. Viens s'il te plaît, il y a quelqu'un que j'aimerais te présenter. D'accord. Sandra, voici Georges. Georges, Sandra. Sandra, Georges est mon conseiller légal. Ravi de te rencontrer. Oui. Oh. Le plaisir est pour moi. Damien, je crois que je dois partir. Hmm? Pourquoi si rapidement? Ne t'inquiète pas, je te dirai après, ok? Peu importe. Je reviens, fais comme chez toi. Ok, pas c'est de bon. Problème. Georges. Damien. Alors. J'espère que je n'ai pas pris assez de temps. Non. Oh, tu disais que tu avais besoin du vin. Ok, j'arrive, pas d'accord? De problème. Ouh. Bonjour. Bonjour. Mes sincères félicitations. Merci beaucoup. Oui, franchement, merci. Félicitations. Merci. Oui, merci. Oh, merci félicitations. Beaucoup. Merci. Je suis très fier. Content. Merci beaucoup. Merci. Merci. Félicitations. Félicitations, ma chérie. En tout cas, merci. Félicitations. Félicitations. Merci. Merci. Félicitations! Vive le marié! Marier une fille, quelle joie! Oh, je suis tellement heureuse! Je vous dis, c'est un honneur pour nous, le maman. Bienvenue! C'est notre bienvenue. Fête! Oh, bienvenue! Oh, sois la bienvenue, ma copine! Oh, ma sœur! Ici, oh, on célèbre, on célèbre. Oh. Merci, papa. Merci, papa. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie beaucoup. Merci.
Je suis fatigué. Bébé, nous sommes toujours à l'extrême pendant ces jours. Et cela est gravé pour toujours dans mon cœur. Je t'aime, bébé chéri. Je t'aime. Je t'aime aussi. Maintenant, nous serons ensemble pour toujours. Rien ne pourra nous séparer. Oui, je t'aime. Je t'aime. Oh, oh, que cherchez-vous ici? Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Allons-y, allons-y, allons-y. Damien! Damien! Georges, qu'est-ce qu'il y a? Daniel a été assassiné. Assassiné? Oui. Où ça? Et comment? Il a été tué dans la maison de son père. Après son mariage. Parfait. C'est juste parfait. Je n'ai pas compris. Chief Phillips doit avoir clairement planifié la mort de Daniel. Parce qu'il croit que Chief Williams a tué son fils Christopher. Le parti doit être en totale désharmonie en ce moment. Georges, très bientôt, ils vont venir pleurant sur leurs genoux, mais supplier Damien de laisser le parti. C'est parfait, tout juste parfait. Chief Phillips. Bingo. Voyons, Georges. Allons prendre la voiture et allons célébrer. Mm-hmm.
mon fils. Ça va aller. Mon fils. Tony va pas ramener de la vie. Arrête. Oh, quelle misère. C'est vraiment pitié. Qu'est-ce qui arrive? Bonjour, messieurs. Bonjour. Je viens tout juste d'apprendre ce qui s'est passé. S'il vous plaît, messieurs, pour le compte de ma famille, veuillez accepter nos sincères condoléances pour la mort de votre fils Daniel. J'ai été poignardé et trahi. Ça a été pour moi une folie d'accepter la bénédiction de Dieu Philips sur le mariage de mon fils. Nous partageons tous deux le même souci, messieurs. Je veux dire, vraiment trahi par Chief Philippe. Mais apaisez-vous, messieurs. Les temps guérit toujours. J'ai été pris pour un fou. C'est bon. Apaisez-vous, messieurs. J'étais en train d'aller quelque part lorsque j'ai appris cette nouvelle et je me suis décidé de venir ici pour lui rendre le respect. Calmez-vous, messieurs. Ok. Ma fille, tu t'es tué à Pétufeu. Hein? Tu dois arrêter ça.
S'il te plaît, essaye de tout mettre derrière toi et penser au futur. Hein? Il était mon futur. De quel futur me parles-tu encore? Mon seul mari est mort avant même le temps. Avant le temps. De quel futur me parles-tu? De quel futur me parles-tu? Ma fille, c'est triste. Vraiment triste. Mais tu te supportes. Essaye de tout mettre derrière toi. Oublie. Tu m'avais promis que tu n'allais plus pleurer. Je ne peux pas. Je t'en prie, ma puce. Sois forte. Tu n'as rien mangé, t'es bouillée. Et tu n'es pas sortie de cette parcelle. Hein? Aucune quantité de larmes ne peut les ramener en vie. Si j'avais le pouvoir, je pouvais ramener Daniel en vie pour toi. Et aussi mon fils Christophe. S'il te plaît, c'est allez. C'est difficile pour moi, maman. Oui, hein? C'est difficile. Arrête, ça suffit, ça va aller. Ça va aller, ma chérie. Je ne t'aurais pas. Oh, tu... C'est bon, c'est bon. Calme-toi, tu es sur le Comme je te l'ai dit, tu dois vraiment essayer de t'en sortir, tu sais. Tous, nous n'avons pas la maîtrise de notre destinée. Et nous savons tous le présent, mais ne sachant surtout pas où est-ce que nous allons, nous faisons confiance en Dieu. Nous sommes tous dépourvus de cette capacité de pouvoir décider sur ce qui va nous arriver. Excusez-moi, monsieur. Oui. Nous courons derrière le temps. C'est d'accord. Becky, prends soin de toi, d'accord? Bébé, nous sommes toujours à l'extrême pendant ces jours. Et cela est gravé pour toujours dans mon cœur. Je t'aime, bébé chéri. Je t'aime. Je t'aime aussi. Maintenant, nous serons ensemble pour toujours. Rien ne pourra nous séparer. Oui, je t'aime. Je t'aime. Oh, oh, que cherchez-vous ici? Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Allons-y. Daniel, toi. Qui? Tu as tué Daniel, c'est toi. C'est toi qui avais tué Daniel, c'est toi. Toi. C'est toi qui avais tué Daniel. Oui, c'est toi. Venez. Papa. Papa, venez, c'est lui. C'est lui qui avait tué Daniel. C'est lui. Tu as tué Daniel. Oui, c'est lui. C'est lui qui avait tué Daniel. Je lui avais vu. Oui, c'est toi. C'est toi qui avais tué Daniel. Papa, fais quelque chose. Papa! Papa! Et papa, c'est toi? C'est toi qui avais planifié ça, papa? Papa, c'est toi? C'est toi qui avais planifié ça, papa? Qu'est-ce qui se passe? Papa, tu es méchant, laissez-moi! Tu es
Amène ta folle fille à la maison, rapidement. Qu'est-ce qui se passe? Folle? Non, laissez-moi, maman. Laissez-moi, tranquille. Allez, on y va. Non, ce n'est pas vrai. Non, comment oses-tu? Comment? Mais qu'est-ce que tu fais? Comment oses-tu? Hein? Allez. Non, non, maman. Comment oses-tu? Comment? Comment as-tu pu, Philippe? Comment peux-tu être si cruel envers ta propre fille? Alors, écoute-moi. Je n'ai aucune idée de ce que ta fille malade est en train de faire. Et je n'en ai vraiment rien à foutre. Ma fille n'est pas malade. Elle a dit que le tueur de son mari avait un tatouage sur la main. Et c'est le même tatouage qu'à Cliff. Écoute, à moins que tu n'aies pas des yeux pour voir que ta fille est en train de très rapidement perdre sa tête. Rapidement même. Je t'avais supplié, Philippe. Je t'avais demandé d'oublier l'affaire autour de la mort de Christopher, notre fils. Tu m'avais promis que tu n'allais pas te venger. Et je ne t'ai jamais promis de laisser en paix la personne qui a infligé la mort à mon fils. Est-ce que je t'ai promis cela? Est-ce que je t'ai dit quelque chose de ces gens? Dis-moi un peu, est-ce que je te fais ça? Ça ne t'a pas traversé l'esprit que l'homme que tu as tué le jour de son mariage était le mari de ta fille? Je ne me suis arrangé avec personne pour mettre à mort le mari de ma fille le jour de leur mariage. Et cette conversation est terminée. Ok. Philippe. Je ne vais pas me taire. Personne ne peut blesser le cœur de ma fille et s'en sortir facilement. Elle ne fait pas partie de la guerre que tu as avec tes ennemis. Je découvrirai la vérité. Je finirai par le savoir, Philippe. Je le ferai. Je voudrais que ce soit très clair. Je n'ai aucune mainmise dans la mort du fils de William. Pourquoi est-ce que je ferais une chose pareille? Pourquoi, dites-moi? Nous avons fait un accord, Félix. Nous avons fait un accord. Tous nous étions d'accord que nous devons mettre en premier lieu l'intérêt du parti. Avant de mettre les intérêts personnels. C'est ce qui a été comme accord. Vous êtes en train de faire des choses qui sont en train de mettre le parti en danger. Est-ce que vous comprenez? Je n'arrive pas à comprendre de quoi vous parlez. Seul pour l'intérêt de cette unique seule partie. J'ai donné ma fille à mariage au fils de Williams. Pas vrai? Est-ce que c'est là à voir avec quelqu'un dans ce parti? Est-ce que c'est là à voir? C'est apparu même dans les journaux. C'est ça. Oh. Ta fille que tu as mariée t'accuse d'avoir tué son mari les jours de son mariage. C'est une grave bêtise que vous ne devez pas prendre en compte. Ce n'est pas normal. Philippe!
n'avancez plus. Philippe! Monsieur, n'avancez plus. Philippe! Combien de gens penses-tu que toi et tes hommes peuvent tuer? Williams, ose faire usage de cette arme et personne d'autre ne pourra rentrer chez lui voir sa famille, je t'assure. Les familles? Tu parles de famille? Pendant que tu penses que tu as systématiquement éliminé la mienne et tu penses que la tienne, elle est épargnée? Williams, ne commence pas ce que tu n'es pas capable de terminer, je te préviens. Ne commence pas ce que tu n'es pas capable de finir, cette montagne est beaucoup trop longue à grimper, n'ose pas. Assez, assez, j'ai dit, ça suffit, nous ne pouvons pas évoluer comme ça, c'est assez, nous ne pouvons pas. Nous devons chercher à faire la paix et remettre tout en ordre. Il n'y a aucune manière, mes bons amis. J'ai toujours cherché comment mettre fin à la vie de cette méchante personne et vous tous là êtes toujours prêts à le soutenir. Non, nous ne soutenons personne. Maintenant, vous deux, ordonnez à vos hommes de déposer les armes. Déposez vos armes. S'il vous plaît, ordonnez à vos hommes de déposer les armes. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, ordonnez à vos hommes de déposer les armes. S'il vous plaît. Je vous en supplie. S'il vous plaît. Où étiez-vous tous? Où étiez-vous lorsqu'il m'avait régné comme étant l'étiquette de ce parti? Et de m'avoir suspecté d'avoir la main mise dans la mort de son frère. Maintenant, il a tué mon fils. Mon fils unique. Utilisant sa fille comme appât. William, tu y es sans cœur. Tu es vraiment sans cœur. Tu as passé tout ton temps à chercher comment tuer mon propre fils. Williams, tu l'as fait. Maintenant, je peux voir que tu as choisi de mourir avec le diable. J'espère que tu as déjà une longue prière, car bientôt viendra la tempête. Crois-moi, la tempête viendra sûrement. Advienne que pourra, Williams. Crois-moi, tu me trouveras et sois sûr que tu me trouveras. Mais qu'est-ce que c'est au juste, hein? C'est quel genre de bataille qui ne cesse jamais? N'allons-nous pas nous reposer? Non. Allons-nous continuer à vivre comme ça dans ces parties? Becky, jette un œil déçu. S'il te plaît, regarde ce que tu m'as causé. Tu sais ce que ça signifie? Tu as sali mon image. Et tu as terni ma réputation. Enfin, tu as enterré ma carrière politique. Tu as détruit la vie de ton père. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Papa, je t'ai hais. Je t'ai hais pour ce que tu as fait. Tu n'es qu'un assassin. Et je ne cesserai jamais de dire à tout le monde que c'est toi qui as sacrifié mon mari. Becky. Becky. Je crois que tu aggraves cette situation. Je ne m'inquiète pas. Tu as sacrifié mon bonheur pour ta carrière politique ainsi que toutes tes bêtises. Tu paieras pour ce que tu as fait. Qu'est-ce qui se passe ici? Gare à ta fille! Gare à ta fille! Becky, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Parle-moi. Thank you.
Persine, viens. Il y a une mission que je voudrais que tu exécutes. C'est une mission très 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 critique. Très dure. Cela veut dire que tu ne dois laisser aucune trace dans cette affaire. Est-ce que tu m'as compris? Oui, monsieur. Qu'est-ce que tu fais?
Qu'est-ce que vous m'avez fait? Vous essayez de me tuer? Papa! Papa, tu as tué Daniel et tu essaies encore de me tuer? Hey, papa, c'est ce que tu fais? C'est ce que tu fais, papa? Je vais te tuer en premier! Je vais te tuer en premier! Je vais te tuer en premier! Je vais te tuer! Quand ça va bien, notre action, amène-la à l'hôpital. Vous mettrez cette nouvelle en tête des journaux. Essayez de répertorier tous les journaux les plus lus. Je veux que ça passe déjà demain matin. Que ma fille est une toxicomane. Fais-le bien. J'étais. Laisse-moi, tu vas me tuer, laisse-moi tranquille. Salutations, Chief Philippe. Vous voilà. Ok. Alors, prenez place. Merci, Chief. Je m'appelle enquêteur Samuel. Et voici mon assistant, sergent Loa. Bienvenue. Merci, Chief, nous sommes en train de faire les enquêtes pour la mort de M. Daniel Williams, qui est mort... Le jour de son mariage avec ma fille. C'est vraiment une expérience triste de perdre son gendre le jour de son mariage. En tout cas, je ne voudrais plus vivre une telle expérience dans ma vie. Un rapport nous est parvenu de la déclaration faite par ta fille lors de l'interview lui accordée, disant que c'est toi qui as commandité la mort de son mari. Ça, c'est une aberration. Comment puis-je ordonner l'assassinat de mon propre gendre? Je pense que c'est vraiment rater la cible. Chief, nous voudrons parler avec votre fille et le monsieur avec qui vous étiez. C'est lui dont elle pense qu'il a assassiné son mari. Premièrement, il n'y avait personne. D'ailleurs, mais honnêtement, je dois vous dire qu'il est vraiment douloureux pour moi de pouvoir tenir ce genre de propos. Ma fille est une toxicomane et c'est sous cette influence qu'il lui arrive d'halluciner et de s'imaginer des choses. Je pense que vous aviez oublié cette donne quand elle était en train de faire concernant les journaux. Oui, sur les journaux. C'est malheureux. Mais Chief, nous aimerions la rencontrer dans cet état parce que... Oui, Chief. Avoir un mot avec elle, c'est pas un problème. Vous la trouverez à l'hôpital. C'est là qu'elle est en train de se faire soigner. Est-elle à l'hôpital? Oui. Ok, merci Chief. Chief, j'aimerais que vous passiez demain à notre bureau à 11h juste. Pour un petit briefing concernant cette histoire. 11h du... D'accord, je n'ai pas de rendez-vous, je vais venir. Ok, bonne journée à vous.
Damien? Damien! Pourquoi tu es tout le temps occupé à faire ceci, à faire cela, à juger ceci, à juger cela? Mais tu n'as jamais été là pour moi. Tu as toujours été dans ton histoire de politique. Damien, je te parle. Tu vois, depuis que ma femme est morte, je n'ai jamais rencontré une femme qui m'ait fait ressentir comme tu le fais. Je suis devenu si amoureux de toi. Si amoureux de toi à tel point que... Tu sais, je commence déjà à penser à t'installer ici. Tu avais dit que tu avais divorcé. J'avais menti. J'avais menti parce que je n'aime pas parler au sujet de ma défunte femme. Je l'ai tant aimée. Énormément à tel point que j'ai refusé de tomber amoureux d'une autre femme. Jusqu'à ce que je te rencontre. Écoute, mais toi, tu es si différente. Si différente et étrange. Sandra. Viens passer les restes de ta vie avec moi. Quoi ? Tu ne peux pas être sérieux. Maintenant, tu espères que je te réponde quoi? Peux-tu m'épouser? Je t'aime. Je t'aime énormément. Je t'aime. C'est toi que j'aime. Es-tu sûr de la véracité de tout ce que tu as dû déclarer ici? Je ne peux jamais vous mentir. Et si vous voulez les preuves, suivez bien l'adresse que je vous ai donnée et vous allez découvrir beaucoup de choses. Ton père nous avait dit que tu prends de la drogue. Je vous dis vrai. Je vous assure que mon papa, c'est lui qui a tué mon mari. Il a tué mon mari, je vous assure, c'est lui. Alors, peux-tu décrire ton père comme un assassin? C'est un criminel, un assassin. C'est un sorcier, un voleur, criminel. Tous des mauvais que vous connaissez, il est mon père, il est.
Je vous assure que c'est lui qui est à la base de la mort de mon frère ainsi que de mon mari. C'est un assassin. Merci beaucoup et nous vous souhaitons un prompt rétablissement. Merci beaucoup. Prenez soin de vous, madame. D'accord, nous pouvons déjà partir. Oui, allons-y. Bonjour, Chief. Chief, est-ce vrai que vous faites partie d'un certain secte? Chief, qu'en est-il de la cabane secrète? Bonjour, monsieur. Quelle est votre réaction par rapport à ce que les gens disent? Est-ce que vous faites financer les activités illégales? Votre fille a dit que vous avez ordonné l'assassinat de son mari. Mais Chief! Chief, s'il vous plaît! S'il vous plaît, ne partez pas Chief, comme ça! Chief, répondez-nous, non? S'il vous plaît! Chief, dites quelque chose! Chief! Merci. Bienvenue. Veuillez m'excuser. Becky, qu'as-tu dit à ces gens? Tu m'as écouté, n'est-ce pas? Je te repose la question, qu'as-tu dit à ces gens? Qui penses-tu être? Je t'ai aidé toute ma vie. Je les ai parlé de tout sauf de rien. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et qu'est-ce que ça signifie? À partir de demain, tu verras tout dans les journaux. Mais si tu dois les savoir, oui, si tu dois savoir, je les ai parlé de tes secrets, de tes grandes activités, de tes entreprises secrètes. Tout ce qui te concerne sera révélé demain. Becky, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as fait ça? Après tous ces sacrifices pour te protéger, Becky? Me protéger? Bien sûr! Me protéger? Tout en tuant mon mari? Pendant que tu avais laissé ton garde du corps ici d'entrer dans ma chambre pour me faire des injections de la drogue? Hein? S'il y a une personne dont je dois me protéger, c'est contre toi. Je t'ai hé! Je ne te reconnais même plus comme mon père. Va pourrir en enfer. Damien. Becky est à l'hôpital, il paraît qu'elle a été droguée. Mais le problème est que elle dit à tout le monde que c'est son père qui a tué son mari. Elle dit que c'est lui qui a envoyé les tueurs. C'est parfait. Juste parfait. Ceci est finalement une chance pour en finir avec eux. Georges, je veux que eux deux, Chief William et Chief Philippe, se haïssent mutuellement jusqu'à ce qu'ils vont se donner la mort. Juste comme ton père, tu es un génie. Semer la confusion entre eux. Ceci est mon ticket de la victoire pour devenir le potentiel candidat non opposé pour le compte du parti. Trinquons à ça. C'est juste un boulot parfait. Nous devons enlever tout lien qui te lie à la mort de Christopher.
Laisse ça à moi. Je vais tout gérer. Dans l'entretemps. Il est grand temps d'installer de l'émotion. Le plan du jeu numéro 2. Tu sais quoi, Georges? Un homme ne se repose jamais jusqu'à ce qu'il ait son dernier soupir. Tu es trop rusé. Oh mon Dieu. Tu as dû voir le rapport final du médecin. C'est une toxicomanie. Arrête ça, s'il te plaît. Je ne suis pas d'accord avec toi. C'est depuis quand que notre fille est devenue accro à la drogue? Je ne sais pas, mais tu as vu les débris qu'on a dû voir dans sa poche. Je ne sais pas. Je te tiens pour responsable. Ne me responsabilise de rien du tout, non. Je ne suis pas d'accord. Ils m'ont infligé la même peine, oubliant que je continue à observer le deuil de mon fils. Tu sais, c'est ce qu'on appelle exactement la justice répressive. Oui, exactement, c'est la justice répressive. Ne me colle pas ça. Tout ceci n'allait pas arriver si seulement tu avais écouté mon conseil et abandonné ces jeux que toi et tes collègues jouent autour de la mort. Si quelque chose arrive à ma fille, si quelque chose lui arrive, je ne te le pardonnerai jamais. Ça, c'est une histoire vraiment très ridicule. Et nous devons bannir tout ça de notre politique. Nous devons nous comprendre et être d'accord pour organiser les prochaines élections. Voyons ce que nous avons. Quel de scandale! Oui, je suis en train de faire de tout mon possible pour résoudre cette affaire. D'ailleurs, je n'ai même pas fini de résoudre mon problème de ma fille qui est toxicomane. Alors, vous n'avez jamais pensé que votre fille, c'est bien elle qui joue le rôle de ruiner votre vie jusqu'à ce niveau? Je n'arrive pas à m'innocenter du fait que tout le monde pense que j'ai tué son mari. Vous ne nous avez jamais convaincu que vous ne l'avez pas fait. Chief Félix, s'il vous plaît, pourriez-vous jeter un coup d'œil sur cette revue? Regardez un peu. Voici l'interview qu'a fait ta fille. Elle a exposé les partis et ses secrets. Étape par étape. Ils nous appellent voleurs et meurtriers. Même la commission électorale était rapide d'aller inviter les secrétaires nationales avec objectif de ruiner les partis dans le pays. Je sais à quel point la situation est mauvaise, mais je vous demande de m'accorder un peu de temps. Il n'y en a pas assez du temps, Chief Félix, il n'y en a pas. Nous avons pris une certaine mesure démontrant que ceci ne se répète plus. Chief, écoutez et écoutez attentivement. Nous avons pris la décision. Et cette décision dit que vous allez démissionner en tant que président du parti. Mais c'est que... Il n'y aura pas de parti. Nous avons tout simplement échoué. Nous venons de faire une bonne impression récemment. Et ça a affecté notre parti positivement. Hein? Mais... ce que ma fille a fait n'était pas intentionnel. Je peux très facilement vous demander pardon et essayer d'éradiquer toutes les allégations qu'elle a dû faire à la presse. J'ai besoin du temps. Accordez-moi le temps, s'il vous plaît. Nous avons pris la décision.
Je la ferai voyager et elle y restera le plus longtemps possible pourvu que toutes nos élections puissent passer en bonne et due forme. Accordez-moi du temps. Accordez-moi juste du temps. Vous les donner, Chief Félix. Prenez tout le temps que vous voulez, mais non comme le président du parti. Chers messieurs, la réunion du parti a pris fin. Chers compatriotes, vous ne pouvez pas me faire ceci. C'est depuis un moment que je dirige très bien ce parti. Hein? Vous ne pouvez pas me faire ceci. Vous savez très bien combien. Venez, s'il vous plaît. Hein? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Y a-t-il un problème? Où il est? Il n'est pas ici. Trouvez-les-moi. Excusez-moi, j'aimerais voir. Oui, je vous écoute. Becky, examen. Ok, elle est dans la chambre 42. Gauche ou droite? Gauche. Comment vas-tu? Bon après-midi. Bien. Madame. Qu'est-ce docteur, comme ici? Si le médicament que nous sommes en train de lui administrer ne lui convient plus et lui donne envie de s'enfuir. Non, ça suffit. Je crois elle que... fait aussi de la fièvre. Ok, ça va. Infirmière, accompagne-la dans sa chambre. Ok. Oui, docteur. Non. Ça suffit. Ça va aller. Toi. Ça suffit. Ça va. Alors toi, va vérifier dans sa chambre s'il y a un étranger. Ok. Okay? D'accord. Mettons la septième debout. Calme-toi. Calmez-vous. Okay? Il n'y a personne là-bas. Nous prenons juste soin de toi. Ok. Docteur. Oui? En voyant cette chambre, ça montre vraiment qu'il y a une personne qui est venue chercher à la tuer. Nous ne sommes pas sûrs que quelqu'un ait essayé de la tuer. Ça peut être le fait d'imagination. Ma fille ne s'imagine pas des choses. Peut-être que tu essaies de me dire que tu n'arrives plus à maîtriser son cas. Non, madame, cet effet est lié à l'efficacité des produits qu'elle a reçus. Ces produits sont encore dans son corps. C'est ce qui fait qu'il imagine ou hallucine certaines choses par moment. Mais qui est sûr et certain qu'un homme veut le tuer, n'est-ce pas ma fille? Ne vous inquiétez pas, madame. Nous allons essayer de mettre deux hommes pour sa sécurité. Madame, s'il vous plaît, pouvez-vous encore décrire l'homme qui a voulu vous tuer? Je vous avais déjà dit auparavant. Son nom, c'est Cliff. Il travaille avec mon père. C'est lui qui avait tué mon mari et il essaye maintenant de me tuer. As-tu entendu? Je vois. Alors, est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les informations qu'inspectrice Sandra sur cette affaire? Rien, monsieur. Nous n'avons encore rien eu de celui de jusque-là.
même auprès de ces cadavres? Rien oui, du monsieur, tout. Rien. C'est ça. Alors ça, c'est très étrange. C'était quand la dernière fois que vous avez parlé avec elle? Il y a 3 jours, monsieur. Il y a quelque chose qui cloche. Ça, c'est pas normal. Ça ne lui ressemble pas. Je suis d'accord avec vous, monsieur. En voyant son comportement, il semblerait qu'il y ait quelque chose de pas bien. Qu'est-ce que tu veux dire, Samuel? Monsieur, c'est comme si elle nous cachait quelques informations. Monsieur. Et quelques informations? Oui, monsieur. Ça me dégoûte vraiment. Alors, allez à sa recherche. Perquisitionnez sa maison et cherchez à trouver quelque chose. J'ai des très mauvais pressentiments et quelque chose qui doit s'être passé. Ok, monsieur. D'accord, monsieur. Alors, nous partons. Chers messieurs, nous avons maintenant une nouvelle autorité pour le parti. Une nouvelle autorité. Alors, nous souhaitons vous demander, s'il vous plaît, pardonner et oublier toutes les mauvaises intentions qui ont régné dans le parti. Pardonner et oublier. Honnêtement, nous vous souhaitons bon retour dans le parti et sois le candidat potentiel pour les échéances qui sont en train de venir. Encore une fois, bienvenue. Bienvenue à vous, monsieur. Tu es maintenant la seule option que le parti a. Chief Williams, il est en dehors de tout ça. Tu es le candidat recommandé par le chief Félix auprès de l'autorité du parti. Très bien. Nous avons pris en compte votre proposition. En ma qualité de son conseiller juridique, nous vous enverrons une réponse en ce qui concerne votre opinion dans les 48 prochaines heures. Bon, par rapport à cette demande, nous allons bien juger d'y accorder une seconde chance. C'est ce que nous voulons, monsieur. Bien, chers membres, j'ai bien entendu tout ce que vous avez dit. Mais il y a 2 ou 3 choses que j'aimerais mentionner ici. Premièrement, j'ai été insulté, intimidé et ma famille humiliée. Mais je suis très très heureux que vous êtes tous revenus à vos sens. Et maintenant, vous appréciez tous les efforts de mon défunt père qui ont été bafoués et ignorés sous le comité de gestion passé de ce parti. Envieux et désireux de l'immense contribution de mon père à ce parti. Chief William est en train de voler les ambitions. Et aussi, Chief... comment on l'appelle encore? Philippe ou quoi que ce soit. Il a dirigé dans l'incapacité, ce qui a presque ruiné notre grand parti. Je viens par ici accepter votre nomination en tant que les dirigeants et le potentiel candidat de ce parti. Mais je vais cependant demander votre total et inconditionnel soutien afin de ramener à la hauteur notre grand parti. Merci. C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Merci énormément, cher membre. Daniel, je vous présente mes félicitations. Vous êtes le bienvenu dans le parti. D'accord. Nous sommes heureux de votre présence. Merci énormément. Chers membres, je vous présente M. Daniel, étant candidat au gouvernement.
Ah, bravo, bravo. Vous êtes les c'est bienvenus, bon. Messieurs. C'est bien ça. Demien. Ah, tiens, ma mère, c'est la politique, il n'y a pas de rancune. Damien, félicitations. Merci énormément. Toutes mes félicitations. Oh oui. Après tout, je crois qu'il est la personne qui mérite. Il le mérite. Il mérite ce poste. Je crois qu'avec lui, ce parti ira de l'avant. Allô? Salut Cindy, comment tu vas? Je suis désolée, je n'ai pas pu entendre à temps parce que je viens de m'acheter quelque chose en route. Où es-tu? Ok. Ok, je serai là aux prochaines heures. J'irai prendre quelque chose et je veux te voir. Ok. Prends soin de toi, ok? À bientôt, bye, ok.
Pourquoi vous ne venez pas alors avec votre ami? Okay. Ouais, nous sommes là. Ce n'est pas du tout intéressant. Tu nous appelais, dis-nous le pourquoi. Je pensais que vous devriez venir avec elle. J'ai vraiment une bonne place. Oh, ça c'est bien. Ouais, ça fera du bien qu'on s'assoie et qu'on parle ensemble, tu vois. Oui, oh, voici la boisson. Ouais, nous sommes dispo, on est là. Parle-moi. Monsieur, je dois vous payer combien? 300 nera, monsieur. Ok. Attendez, je vais vous payer votre... Arrête-toi là, tu es sous arrestation. Lève-toi. Lève-toi. Tes mains sur ta tête. Avance. Avance. Eh, n'essaye pas. N'essaye même pas ça. Agenouille-toi. Je dis agenouille-toi. Et vous aussi, veillez ça. Agenouille-toi. Cliff, tu es à l'état d'arrestation pour les meurtres de Williams, Daniel, et tentation de meurtre de Becky Phillips. Tu as le droit de garder silence. Parce que tout ce que tu peux dire, c'est retourné contre toi. Lève-toi. 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 Maintenant, avancez. Laisse-moi tranquille. Fais vite. Laisse-moi tranquille. Je veux partir. Non, je veux pas. Lève-toi. Laisse-moi tranquille. Avance. Laisse-moi tranquille. Avance. Laisse-moi. Non, non. Laisse-moi partir. Je veux partir. Laisse-moi tranquille. Je veux partir. Laisse-moi. Avance. Avance. Georges, est-ce que tu es prêt? Damien, je suis en train de chercher les vidéos de la campagne de ton père. Je cherchais la vidéo d'inauguration et les mots des circonstances, mais je ne pouvais pas les trouver. Et qu'est-ce que cela veut dire? As-tu essayé de trop bien vérifier dans mes objets au bureau? Oui, j'ai vérifié partout. Et qu'en est-il dans la bibliothèque? J'ai cherché vraiment partout, mais je ne l'ai trouvé nulle part. Oui, je me rappelle. Il n'y a pas très longtemps, j'étais en train de le regarder. Je suis sûr que ça doit être quelque part. Ça peut être quelque part. Où exactement? Georges. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Mais... Chut. Sandra. Quoi? Sandra. Sandra? Oui. Sandra. Pourquoi tu me bloques le passage? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est? Et qui es-tu? Inspectrice Sandra.
Vous n'avez fait aucun rapport. Mais pourquoi? Inspecteur, je n'ai pas encore un rapport important à vous faire jusque-là. Alors faites un rapport de tout. Et nous allons décider ce qui est très important et ce qui ne l'est pas. Le chef est impatient. Apparemment, tu ne fais pas bien ton travail. Inspecteur, je pense que j'ai fait de mon mieux. Jusque-là, je n'ai pas d'informations auxquelles je peux faire des rapports pour vous donner. Écoute, inspecteur. Tu dois te concentrer sur ses réunions politiques et ses opposants. Pousse-les à parler sur ses ennemis ainsi que ses membres du parti politique. Ils ne parlent même pas des affaires politiques à la maison. Vraiment? Je vous dis, je l'aurai bientôt. Essayez encore. Je crois qu'il faut que je vous laisse maintenant. Vous voulez partir? Ouais, il fait tard. Ok. Mais inspectrice, excusez-moi. Est-ce que tu as un problème avec cette mission? Voudrais-tu qu'on puisse te remplacer? Vous l'aurez bientôt. Vraiment? Oui. Qu'allons-nous maintenant faire? Mission accomplie, boss. Oui, Chief Philippe n'est plus en vie. Œil pour œil et dent pour dent. Et enfin, la tempête est finie. Salut chérie, salut toi. Oh ma très belle chérie, comment vas-tu? Oh, mais où étais-tu? Pendant tout ce temps, je suis toujours assis ici avec mon ami Georges, manquant toutes tes accolades et tes bisous. Et aussi, j'ai préféré aller t'acheter de genre de choses comme celle-ci. De quoi parles-tu? Georges, c'est parfait. Georges, je crois que tout s'est bien passé. Et Philippe, crois que William a tué son fils. Alors que de notre côté, tout a été très bien arrangé et planifié. Sandra, s'il te plaît. Je t'ai aimé. J'étais si amoureux de toi. Je t'ai tout donné. Je te fais sentir comme une femme que tu es. Mais je me rappelle aussi qu'à plusieurs reprises, tu m'as toujours dit que tu m'aimais. Sandra, comment peux-tu oser cracher sur l'homme que tu prétends tant aimer? Comment as-tu osé cracher sur l'homme que tu prétends aimer? Daniel, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Tu peux expliquer? Oui. Oui, vas-y. Daniel,
Daniel, je t'aime. Je suis tombée amoureuse de toi. Tu m'as demandé de t'épouser, tu t'en souviens? Daniel, s'il te plaît, nous pourrions le surmonter ensemble. N'ose pas me toucher. Ne me fais pas ça. S'il te plaît. S'il te plaît. Je pouvais apporter cet enregistrement à la police. Mais je ne l'ai pas fait parce que j'espérais que tu changerais. S'il te plaît, parle-lui. Qui es-tu? Et qui t'a envoyé ici? J'ai... Tu es un agent de la police? Oui. S'il te plaît, Damien. S'il te plaît. Tout peut changer. Je peux tout abandonner. S'il te plaît, Damien. Damien, s'il te plaît. Rien n'a changé. Je peux arranger cette situation. Je te promets. Damien, s'il te plaît. Je suis vraiment désolée. Désolée. S'il te plaît. C'est bon. Tu peux te lever. Vas-y, lève-toi. Lève-toi. C'est bon. C'est bon alors. Je te pardonne. Vraiment? Oui, je te pardonne. J'ai un présent particulier pour toi. Oh, vraiment? Oui, bien sûr. Je suis sûr que tu vas l'adorer. Mon ange, ne t'inquiète pas, je t'ai pardonné. D'accord. Laisse-moi aller le prendre rapidement. Sens-toi libre, tu peux prendre ce que tu veux. Georges, excuse-moi. J'arrive un moment. Attention, n'essaie pas de bouger. Ne bouge pas, reste là. Damien, s'il te plaît. S'il te plaît, ne me fais pas ça, s'il te plaît. Reviens ici. Damien, s'il te plaît. Damien, ne me fais pas ça, s'il te plaît, Damien. Damien, s'il te plaît. Combien d'informations détiens-tu déjà à mon sujet et à propos de mon ami Georges? Réponds-moi. J'ai toutes les cassettes chez moi à la maison. Toutes les cassettes entre tes mains. C'est bon. Es-tu sûr à propos de ça? Oui, j'en suis sûre. C'est bon. Georges, peux-tu tout prendre? Damien, s'il te plaît. Damien. N'essaye pas de bouger. Damien, s'il te plaît. Et n'essaye non plus de t'approcher. S'il te plaît. Damien, s'il te plaît. Damien, Georges, tu peux déjà tout prendre. S'il te plaît. S'il te plaît. Lève-toi. Avance. J'ai dit avance. S'il te plaît, Damien, ne fais pas avance. Ça. S'il te plaît, avance. Ne fais pas allez, ça. En avance. S'il te plaît, avance rapidement. Damien, allez. Ne fais pas ça. Viens dans la voiture. Tu avance. Oui. Allez, entre s'il la voiture. Te plaît. Entre la voiture. Je dis entre. Arrêtez. Ne bougez pas. Les mains derrière la tête. Que personne ne bouge. Le main derrière la tête. Et ne bougez pas. J'ai dit le main derrière la tête. Mettez vos mains sur vos têtes. Ne bougez pas. Montre-toi. Sors de là. Par terre. Vite. Je dis montre-toi. Vite, je dis vite. Jette ton arme. Jette ton arme. Jette ton arme. Jette ton arme. Jette. N'essaie pas quelque chose de stupide. Jette ton arme. Et lève tes mains. Jette ton arme. Je dis jette ton arme. Jette ton arme. Dépose ton arme. Jette ton arme. Jette ton arme. N'essaye pas quelque chose de stupide. Jette ton arme. Jette ton arme. Rires.
Savez-vous celui que vous êtes en train d'arrêter? Savez-vous celui que vous arrêtez? Ne t'inquiète pas pour ça. Tu as tout ton temps de nous expliquer. Savez-vous qui je suis? Ne t'inquiète pas, monsieur. Tu as tout ton temps. Savez-vous qui je suis? Est-ce que vous pouvez avancer? Écoutez-moi. Est-ce que vous pouvez avancer? Je ne peux pas. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je ne peux pas avancer comme ça. Avancez, monsieur. Ne vous inquiétez pas. Vous aurez tout le temps de nous expliquer. Savez-vous celui que vous essayez d'arrêter? Avancez. Avancez, monsieur. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Prends ces hommes. Attache-les tous. Levez-vous. Avancez. Avancez. Je dis avancez. Becky, ma princesse, allez, regarde-moi. Ça va, ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle maintenant, ok? Allez, souris. Ça va, allez, partons. Ok.